Planète rap, c'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Planète rap. Ce soir, c'est Planète rap YL. Passez une bonne soirée, une nouvelle semaine débute avec un grand garçon, très grand garçon qui nous vient de Marseille, du quartier Bel Air. Comment ça va, monsieur YL? Si, ça va très bien, et toi, Fred? En pleine forme? Tranquillement. Bon, vendredi sort ce projet. Vendredi 23 février. C'est vendredi, ça s'appelle Confidence. Confidence. Bon, on va le découvrir, tu nous feras des confidences tous les soirs de la semaine. Je vais me confier fort. Tu vas te confier, j'espère bien. Je vais me confier fort. Tu vas nous expliquer un petit peu ce parcours justement de YL que tu juges comment? Chaotique, simple, facile, pour l'instant, si tu dois le résumer rapidement. C'est que le début. C'est que le début. Je peux dire. D'accord, c'est que le début pour l'instant. YL Confidence, ça sort vendredi. C'est en, je suppose, précommandé maintenant, on peut y aller? Bien sûr. On peut précommander? Bien sûr, sur toutes les plateformes disponibles. Parfait. Et bah, tu sais quoi, on va se plonger directement dans le projet, puis on va retracer ton parcours dans un instant sur Skyrock. On y va, on attaque? Ok. Voilà ce qui vous attend vendredi dans les bacs. Je prends la guitare par les cordes, fruit de mon époque. Je prends la guitare par les cordes, fruit de mon époque. Je prends la guitare par les cordes. Planète rap. Tous les soirs, je suis qui est, moi je pense qu'au billet. Ouais, c'est now, oublie-moi. J'arrive ma planille, tellement t'es trop nia. Ouais, c'est now, oublie-moi. Planète rap. Moi, je n'ai pas de grand dans la street. Je n'ai que toi, bobo. Le gaz là, je suis calme. Et je tourne dans ma ville. Je la fais tourner comme un pilon. Je suis dans tous les coups, je suis là tous les jours. Et à tous les coups, c'est moi qui. Planète rap. Visage de mon escort, score. Elle va péter les scores, score. Elle m'ouvre les portes. Vu qu'elle est trop bonne. Visage de mon escort, score. Elle va péter les scores, score. Planète rap. Mon follow, la haga, ça paye. Séquestré, gosse isolé, patron saucissonné. Mon follow, la haga, ça paye. Fidèle au gongleur de sphère, la pouca va sonner. Mon follow, la haga, ça paye. Planète rap. Tu m'as menti, ouais, tu m'as menti, ouais. J't'ai bien menti, ouais, tu m'as menti, ouais. J't'ai bien menti, ouais, tu m'as menti, ouais. Planète rap. T'as mis dans le rap, ma gueule, y'a que des tasses, ouais. Ils attendront ma mort pour me dédicacer. Toute la journée, j'suis dans le bloc. J'ai pas peur, j'vends ma drogue. Planète rap. J'ai pas perdu, maman, on sait. J'suis ton ami quand faut avancer. J'suis ton ami quand faut avancer. Planète rap. Bois des love, donne-nous-le. Y'a embrouillé, les jamais là. On a capté son regard, miel. Planète rap. Vers le ciel. Assiste-moi, mon frère. J'suis avide sur la confiance. Non, ne sois pas étonné. Planète rap. Juste avant l'ouverture du réseau. Dans ma favela comme au Brésil. C'est la loi des mêmes qui préside. Planète rap. Ils veulent me terminer, qu'ils ramènent d'autres armes. Quel fou viendra me faire la guerre à moi? Rebe déterminé à mettre d'autres man. Malik El Jabna ou Farid Beram. Planète rap. Oh, elle est pas maquillage. C'est pas la même qui est sans pliage. Moi, j'suis allé sans prier. J'en ai marre des pillages. Oh, la vago est maquillée. Planète rap. Vive ma mère, pourtant j'sors le métro. J'm'en bats les couilles qui viennent du ghetto. J'les fume après, je fais le vide. J'espère que tu vas me guider. Lassé, personne connaît la suite. Planète rap. Dormant la terre, j'ai pleuré l'espoir. C'est ma tournée. La nuit, je dors pas, je refais l'histoire. J'suis chelouné. Défendre la cause de mon père, ouais. Doubler la dose de mon terre. Planète rap. Non, j'vais pas quitter mon barrio. Planète rap. Yamine est grand, maman, Yamine est fort. Yamine reconnaît pas quand il a tort. Je reviens du futur, accompli le plus dur. J'ai vu leur sépulture comme Terminator. Je termine ma bouteille, hein, c'est des dieux routins qu'on croit. C'est foutu, elles ont terminé en tôle. Planète rap. Voilà donc ce qui vous attend dans cet album. Il sort vendredi, ça s'appelle Confidence. C'est YL, notre invité tous les soirs de la semaine. Et forcément, tu vas nous retracer un petit peu ce parcours qui t'amène jusqu'à ici et jusqu'à la sortie de cet album vendredi. Bien sûr. Donc avant YL, il y a Yamine. Exactement. Voilà, qui est vie à Herbel. Exactement. À Marseille. Exactement. Et elle ressemble à quoi alors la vie de Yamine avant le rap? Elle ressemble à ce que j'ai dit dans l'album, tout simplement. Il faut écouter. Elle ressemble à la vie d'un jeune de cité. Pas très doué un peu dans son domaine.
voilà, comme je pense qu'elle retrace la vie de tous les jeunes de cité peuvent s'y reconnaître parce que on a tous un talent particulier. Et voilà, Yemin, c'est. En fait, faut écouter l'album. Faut écouter l'album. Bah, on va le découvrir justement cet album. Mais en même temps, la musique arrive très tôt aussi dans ta vie, toi. Parce que c'est à partir de quoi, 11 ans? À partir de 11 ans. 11 ans, hein. 11 ans. Mes grands frères qui sont présents ici dans la salle, c'est à eux qu'on doit YL. C'est eux vraiment qui te. Voilà, qui vont former ton oreille, qui vont. Exactement, c'est eux qui vont former mon oreille à coup de dissident, à coup de Secret Connection, à coup de FF, à coup de Luciano, à coup de. Avec des gros coups, hein. T'as ah bah, c'est, les références sont plutôt pas mal de ce que tu me cites pour l'instant. Hein. Et ouais, je tombe amoureux du rap très très tôt. Tu te souviens d'un album en particulier ou un artiste en particulier HLM Résident. C'est dissident, ouais. Je le crie sur tous les toits. C'est vrai? C'est l'album intemporel. Et particulièrement Zesso et Nesbill, hein, bien sûr. Quelle belle entrée fracassante. Quelqu'un qui vient de se prendre la marche, excuse-moi, juste derrière toi. Ouais, c'est rien, on est habitué à ça. Donc ouais, c'était cet album de dissident vraiment avec, bah, avec Zesso, avec Nesbill. Avec Zesso, avec Nesbill, avec Corias. Ouais. Voilà, c'est mon album référence, c'est mon théorème. Et j'ai ça écouté. À 11 ans celui-ci ou il à arrive ans, ouais. Ah ouais, celui-ci il arrive vraiment. À 11 ans, on me le fait écouter. Ouais. Je le réécoute au long de ma vie, tout simplement. Comment t'expliques, c'est quoi qui t'a marqué en fait? C'est les paroles, c'est le côté cru, c'est le d'abord, côté. D'abord, je pense que c'est les mélodies. Mélodies. Même si voilà, c'est des mélodies discrètes, hein, mais c'est les mélodies d'abord. Et ensuite, un peu plus tard, quand j'étais un peu plus grand et à même de comprendre des choses et des punchlines. C'est un tout, hein, c'est un tout. C'est un album que tu réécoutes encore? Bien sûr, une fois par semaine, c'est un rituel. Non, arrête. Mais je te jure. Une fois par semaine. Je te jure, c'est un rituel. Tu crois qu'il t'a inspiré, mais aidé sur la construction de Confidence? Clairement, Confidence, c'est un mélange de HLM Resident et de beaucoup d'autres albums. Bien sûr, je suis influencé par mes rappeurs, je m'en cache pas. Je le dis. Et c'est quoi alors qui va t'amener à gratter un petit peu, à écrire? Donc il y a évidemment cet album, mais c'est quoi? Donc tu parlais de tes frangins aussi qui te poussent à écrire ou tu le fais naturellement toi? Je le fais naturellement et je relate les faits tout simplement, comme un journaliste, tu vois. Comme un journaliste pourrait le faire, tu vois. Après, c'est un peu plus artistique forcément parce que. Mais à 11 ans par exemple, t'écris quoi? Sur quoi t'écris? À 11 ans, j'écris sur ce que je vis, ce que je vis à 11 ans, tu vois. J'essaye d'écrire, c'est des ébauches, tu vois, d'écriture, c'est des petits enregistrements en studio avec les grands de mon quartier, c'est des sons fantômes, tu vois. Et puis à 14 ans, t'écris autre chose, et puis à 17 ans, tu vis autre chose, donc t'écris autre chose. Et il y a un groupe auquel tu vas faire partie aussi? Ouais, je vais être le petit du groupe 1143. 1143, ouais. 1143, originaire d'Herbel, qui réunissait COFS, NAPS, SAHIM, pour les connaisseurs, GER, Moussa Gaza et Sidou, qu'on aura l'occasion de voir ici. Cette semaine, ouais, ils vont passer dans la semaine entre 20 et 21. Exact. Donc qu'est-ce que t'apprends au sein de ce groupe, toi qui est peut-être le plus petit de la bande? L'école. L'école du rap. C'est l'école du rap. L'école de l'excellence du rap. L'école de l'excellence du flow. Le fait d'être sélectif. Comme je l'ai répété, je le dis dans toutes mes interviews, les grands d'Herbel sont très très moqueurs. En même temps, les Marseillais sont quand même très moqueurs déjà. Hein. Déjà à la base. Ouais. Donc Herbel, c'est encore. Voilà, c'est encore un peu plus. C'est encore une autre école de la vanne. Exactement. Mmh. Ça veut dire que si tu t'amuses à rapper et que t'es pourri, t'es dans la merde, tu vas te suicider. Tu vois, c'est. Toi, tu te souviens quelques vannes qui t'ont marqué ou pas? Mais toi, oui. Mais oui, ben déjà, mon blaze, il part d'une vanne. YL? Bien sûr, il part d'une vanne. Ça part de quoi alors? Ça part de. Tu fais du rap? Ouais, ben on va t'appeler l'artiste. Donc après moi j'ai rajouté mon prénom et j'ai pris les deux initiales parce que ça s'est fait comme ça, j'ai kiffé. Mais mon blaze il part d'une vanne et à côté de ce côté moqueur là, il y a vraiment une excellence et de toute façon on va le voir ensemble vendredi. Il y a vraiment une excellence dans le flow, on voit ça vraiment comme une discipline. Chez nous, on voit ça vraiment comme une compétition, on se cherche depuis gamin. Et là t'as l'impression sur celui-ci de t'être trouvé, t'es fier de ce projet? Franchement ouais, je pense que je commence à me trouver. Je pense que les gens ils pourront ressentir l'authenticité de ce projet.
Et voilà, il transpire la vérité, hein, parce que je me suis confié, comme je te l'ai dit. Tu sais qu'on va marquer une petite pause musicale, on va écouter un morceau, puis on reviendra sur ce parcours aussi, ton parcours à toi, YL. Super. Avec un morceau qui a déjà fait beaucoup parler de lui, c'est un morceau avec Soul King. Exact. Le fameux Vainova qu'on écoute maintenant et qui est extrait de ce projet, hein, avec Soul King. Vainova, c'est extrait de Confidence, on l'écoute sur Skyrock et vous réagissez, tiens, avec le hashtag c'est YL sur Skyrock. Il y a le portable aussi de Planète Rap. À n'importe quel moment, tu peux nous joindre. Enfin, je dis tu peux, c'est aux gens qui nous écoutent, mais c'est le 06 48 96 3 fois si vous voulez poser une question à YL, lui donner de la force, pourquoi pas. 06 48 96 3 fois, vous nous appelez, vous passez en direct à l'antenne et là on écoute le morceau Vainova tout de suite avec Soul King. On sait plus. Je sais pas. Il était pas là lui. Attends. Tu te racontes quoi, 60? Bah je traîne, seul, je perds. Rien ne va plus, j'ai le croupier dans le viseur. Et ce que je récupère, c'est qu'un TAR. Je suis pas trop streamé dans le bloc pendant 10 heures. Et où sont mes potes? Le bon temps me manque. Je vais péter un plomb, j'ai la street sur l'épaule et ma petite sur les côtes. Je suis fidèle mais bon, je peux pas quitter mes tours. L'odeur du cash, dans la tour le diable m'a laissé le 22. Je suis perdu, baba, je t'avoue, j'ai envie, m'a placé la fin de. Y'a rien, baba, des chiens qui rêvent de m'abattre. Qu'ils viennent par là, YL va faire un carnage. Moi tout ce que je veux c'est m'en sortir. Baba, eux ils veulent pas. Ils pourront jamais me détruire. Bonhomme comme Baba. Moi je n'ai pas de grand dans la street. Je n'ai que toi, Baba. Le gaz là, je suis calmé. Et je tourne dans ma ville. Je la fais tourner comme Robinho. Je suis dans tous les coups, je suis là tous les jours. Et à tous les coups, c'est moi qui bouge. J'ai tourné dans ma ville. Je la fais tourner comme Robinho. Et j'ai tourné dans ma ville. La misère et les keufs ne me rendent pas. Dans la tête qui fait papa. Et d'où je viens, je n'oublierai pas. Tous les hommes que j'avais au départ. Je vais mourir pour mes principes. Je suis un big guy. Et sur la flèche Rivera, j'fais la fraîche comme tous les autres. Moi tout ce que j'veux c'est m'en sortir. Baba eux ils veulent pas. Ils pourront jamais me détruire. Bonhomme comme Baba. Moi j'n'ai pas de grand dans la street. J'n'ai que toi Baba. L'ergaz la je j'suis capé. Baba Innova. Et je tourne dans ma ville. J'la fais tourner comme Robinho. J'suis dans tous les coups, j'suis là tous les jours. Et à tous les coups c'est moi qui bouge. J'ai tourné dans ma ville. J'la fais tourner comme Robinho. Et j'ai tourné dans ma ville. Le morceau s'appelle Vainova à l'instant, c'est extrait du projet d'YL qui sort vendredi, Confidence, et tu le disais, donc pour toi l'écriture est importante. Très très importante. Très importante, ouais. Ben, c'est la base. À une génération où on aime bien l'ego trip, toi aussi, t'en pratiques. Si, bien sûr, dans le projet, il y a des sons qui sont complètement ego trip, mais même dans l'ego trip, je m'applique à mettre un petit sens, et je pense que dans le rap aujourd'hui, c'est le style musical où l'écriture c'est vraiment le plus important, tu vois, c'est pas à négliger, tu vois. Donc ouais, c'est ce que tu t'es forcé à faire en tout cas sur ce projet quoi. Celui-ci tu t'es voilà. Je me suis vraiment forcé à faire, tu vois. Ça fait un an et demi jour pour jour, sans dimanche qu'on est sur ce projet. Vraiment? Vraiment. Ça fait 2 ans qu'on a commencé à travailler ensemble avec mon manager Milka Prod. Ça fait 1 an et demi qu'on a commencé à travailler sur ce projet. Ça va faire bientôt 1 an ma signature chez Def Jam. Bref, ça s'est passé sans dimanche, je crois. Je te demandais, parce que là, on revient un petit peu sur ton parcours. On en était en effet à l'âge de 14-15 piges où tu découvres un petit peu cet univers où t'es un peu le plus petit de la bande. Mais ça n'a pas duré longtemps, tu grandis vite. Ah, on a bien mangé. Merci, maman. Ça a bien mangé. Merci, maman. Est-ce que tu te souviens la toute première fois justement où t'es rentré en studio, où t'es sorti avec ce que t'avais posé? Ouais.
Ben c'était un son avec avec moi, mon frère, un autre ami du quartier et deux grands du quartier. Ben il y avait Naps dedans et il y avait SHIM. Ils sont à l'origine du groupe Oscar 43. C'est de là, c'est de ce duo que le groupe part. Tu vois, ensuite ça s'est greffé tout ça et tout. Donc on a fait un son. Ben j'étais petit, j'avais une très très jolie voix à l'époque. je zozotais. Ah bon? Ah ouais, confidence. Ah. On fait des confidences. Allons-y, on fait des confidences. Allons-y, soirée confidence. Je zozotais à l'époque. C'est encore, je pense que c'est encore retrouvable pour YouTube. Je vais vous laisser quand même une petite zone d'ombre. C'est quoi, YL ou on tape ou autre chose? Ah, c'est un peu autre chose. Il y a un autre blaze, d'accord. J'ai donné, j'ai dit, c'est Naps, c'est Saïd. Voilà, ok, bah on a la base déjà. Maintenant, il faut chercher. Le nom du morceau, on sait? Rien à foutre. Alors, bah, on va trouver ça tout de suite. Vous allez trouver. T'inquiète pas, on va le trouver. On le trouvera d'ici la fin de semaine pour les confidences de fin de semaine. Et à partir de quel moment tu vas sentir qu'il y a un coup à jouer dans le rap ou tu peux devenir professionnel? C'est à partir de quel moment? Franchement, vraiment à partir du moment où je commence à travailler avec mon manager. Vraiment. Donc la rencontre, c'est quoi? C'est pote à l'origine ou c'est... Non, dans la musique. C'est la musique. Après, le milieu de la musique marseillais, comme Marseille en général, c'est une grande ville, mais c'est un petit village en vrai. On se connaît tous. Et tout le monde se connaît. On se connaît tous. Même si parfois il y a des quartiers différents, même s'il y a des ambiances différentes par quartier. Comme j'aime le dire, on a tous soit un ennemi, soit un ami en commun. C'est une jolie formule. Ouais. Espérons qu'il y ait plus d'amis quand même que d'ennemis. Si, il y en a, t'inquiète. C'est quand même ça. D'ailleurs, tu ne ferais pas un live pour débuter un morceau alors aussi pareil qui a marqué celui-ci, il s'appelle Fruit de mon époque. C'est un morceau, je me souviens d'un autre Marseillais qui s'appelait Mino aussi, qui avait fait Fruit de mon époque. Je sais pas si tu te souviens de Mino aussi. Un Marseillais du Vieux-Port, un gamin du Vieux-Port qui avait fait un morceau qui s'appelait Fruit de mon époque. Je me demandais si c'était un petit clin d'œil à Mino aussi de faire un morceau qui s'appelle Fruit de mon époque. Non, je savais pas que ce titre existait. Je connaissais Mino à l'époque, mais je savais pas que ce titre existait. Fruit de mon époque, comme tu l'as dit, hein, c'est banger, démonstration, banger. Rap. C'est ce qu'on aime. Et bon, on y va, c'est parti. On va saluer Rock J qui est au platine aussi tous les soirs de la semaine. Merci bien. Et Rock J qui est là avec nous pour YL. On t'écoute maintenant en live. T'as décidé de commencer avec du live, c'est tout de suite, c'est YL. Ouais. Confidence le 23 février dans les bacs. Vous avez fait vos paris ou pas? Vous avez misé sur le bon cheval? Ok. Le butin de jouer ma part au chiffre. Et si dans les jolis ressortent les appels de ma puce, je vais faire ma gueule à part entière. Le seigneur est grand, je te le garantis. Tes imbéciles de potes sont pas rentables. Je me fais payer par le patron de la boîte, car sans moi sa putain de boîte n'est pas remplie. Et dire qu'avant ça je pouvais pas rentrer. Me demande pas ce qu'il y a. Jack et Daniel me font vaciller. Vécu d'un jeune de Massilia. J'ai déjà quelques amis calcinés. Ah ouais, c'est Balsino. Je trouvais chétan dans ce bal sinistre. Disparition comme un Baltimore. L'ange de la moelleté n'est pas timide. Le truc, je l'ai volé à l'un. Bien sûr que je l'ai vendu à l'autre. Tes anciens sont toujours en retard, on remet les pendules à l'heure. On ne s'est pas vendu à l'un, on ne s'est pas vendu à l'autre. On ne s'est pas rendu à l'est, on va pas se rendre jusqu'à l'aube. Je leur ai préparé des bails sales, t'as les bails sombres, t'as le Barça. Coffrez ma salade dans le caleçon, de toute façon je suis bon qu'à ça. J'attends de votre part aucun conseil, sur ma tactique je veux Marcette. On me connaît déjà, je suis Larlar, je suis Herbel, je suis Marseille. Mauvaise ambiance, on fait les choses sans se vanter. Bon sang, on fait du bon taf, c'est ce que les grands nous ont montré. Toute la night, je vois ces textos, je vois ces armes. Confidence, le 23 février dans les bacs. Fonce des bâtons pour eux. Fais pas semblant, rebeu. Je retourne bosser. Guitare par les cornes, fruit de mon époque. 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 Oh là, je suis béni, meilleur des fennecs, tireur de pélo. Je plane au-dessus avec les ailes du phénix. La peur du treillis, la peur du très haut, hein. La pas du gain dans ma ville. Tout le monde veut gratter son billet. Y'a ceux qui le font pour cendrillon, et ceux qui finissent en cendrier. Ne leur amène pas des armes servies, les petits sont des bros. Un tas du pied sur un selfie, c'est vrai son boulet trop. Moi je t'avais dit fais gaffe à cette fille. Tu m'as dit c'est ma go. Mais pour elle t'es qu'un plat servi. Elle a donné le go. Mauvaise ambiance, on fait les choses sans se vanter. Bon sang, on fait du bon taf, c'est ce que avec les gens nous ont montré. Avec le métallier, je vois ces textos, je vois ces appels, ça m'en fout. Rien ne va plus. Je pense des bâtons pour elle, je vais au studio, je retourne bosser. Je prends la guitare par les cornes, fuis de mon époque. Je prends la guitare par les cornes, fuis de mon époque. Je prends la guitare par les cornes, fuis de mon époque. Je prends la guitare par les cornes, fuis de mon époque. Ouais, le studio Skyrock, on ne s'attend pas là. C'est hors de discipline. Sao. YL.
YL en live à l'instant, Fruit de mon époque, ça c'est le morceau qui ouvre. Ouais. Qui ouvre le projet, donc ouais, morceau c'est... important celui-ci aussi. C'était l'intro. C'est l'intro. Si j'aurais pu l'appeler intro, je l'aurais appelé intro. Confidence, c'est dans les bacs vendredi à découvrir. Tu nous présenteras des invités qui sont là avec nous dans instant. Je vois notamment un garçon qui nous vient du 9-3. Bien sûr. Il a une bonne connexion. Une bonne connexion. Juste avant, je voulais te présenter aussi Mouloud Mansouri qui est là, que tu connais aussi Mouloud, ouais. Qui a une assoce qui s'appelle Hip-Hop, enfin qui s'appelle Fujo. Et ouais. Il fait des concerts hip-hop convicts. Donc il fait des concerts à l'extérieur et à l'intérieur des prisons également. D'accord. Où il emmène des artistes d'ailleurs parfois Mouloud. Il y a YL qui va venir bientôt d'ailleurs faire une tournée avec nous. Bien sûr, on va aller rencontrer tous nos vaillants incarcérés et on va leur donner de la force. Et Mouloud, il est venu avec une bonne nouvelle parce que demain, il organise un concert à la salle Playet, qui est quand même une salle magnifique à Paris. Ouais. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que le rap arrive à la salle Playet, ouais, il me semble. Premier concert de rap à la, premier concert. À la salle Playet. Donc et ça t'organise pour récupérer des fonds justement pour l'assaut et continuer à aller dans les prisons. Exactement. Et il reste des places. Il reste quelques places. Et attention, on donne la bonne nouvelle maintenant ou pas? Bah c'est toi qui me l'as donné, moi. Je dis qu'il reste quelques places. Et toi, tu fais quoi? Bah la bonne nouvelle, c'est que en effet, Skyrock est partenaire de ce concert et on s'est dit que voilà, il faut que le concert soit absolument blindé. Il reste encore quelques places. Alors, on peut citer qui est présent sur ce concert. Ok, il y a Nekfeu, Escrew, Giorgio, Cat Killer, Dinos. Cat Killer. Et donc, pour une place achetée, pour les dernières places restantes, il y en a une gratos. Et c'est Skyrock qui l'a. Et c'est Skyrock qui finance. Donc, allez-y. Voilà, c'est ouais, faut vraiment prendre les derniers plats. Les dernières places, ça va être un vrai concert, 3h30 de concert. C'est pour la bonne cause parce que avec l'Oseille, on va faire des concerts en prison, que ce soit YL ou tous les artistes qu'on a fait jouer depuis 10 ans. On a besoin d'argent pour faire ces concerts et donc demain, les dernières places, on trouve sur le site de Salle Playel. Ouais, tu vas directement sur la Salle Playel vu qu'on vient de donner le start pour cette opération là. Si tu veux acheter une place offerte, c'est sur le site de la Salle Playel. Donc une place offerte pour une place achetée. Dépêchez-vous. Ça va vite s'arracher. Rappelle un peu demain qui sera sur scène. Nekfeu, le Escrew. Ouais, Nekfeu, Escrew, Giorgio, Dinos, Cat Killer. Et il y a quelques surprises aussi qui seront. Et toi, tu seras là aussi. Et évidemment, je serai là, bien sûr. Après le Planète Rap, après avec YL, on débarque à la salle Playel. En bombe. Pour cette grosse soirée aussi, à pas louper, une grosse soirée rap. Dans un endroit qui, je disais, qui est magnifique parce que c'est une salle d'origine qui était plutôt sur le classique et qui est ouvert depuis maintenant quelques mois à d'autres sortes de musique. Et c'est la première fois qu'il y a un concert de rap. Donc si vous voulez faire partie de l'histoire et de cette aventure, ouais. Et en plus pour une bonne cause, Hip Hop Convict, ouais, ça va être chambé, a lieu en live demain à la salle Playel. Toutes les infos, vous tapez salle Playel. Pour ceux qui sont en vacances, n'hésitez pas. En plus demain, vous pouvez vous coucher tard tranquille, vous allez sur le site de la salle Playel. Merci Mouloud. Merci à toi Fred. Demain, merci YL. Merci à toi Mouloud, on sera présent. Yeah. YL avec nous entre 20h et 21h sur Skyrock. Des invités qu'on va présenter dans un ensemble. Bon, on peut peut-être faire déjà le tour de table, vas-y. Bien sûr. Alors, on va commencer par. Alors, pendant qu'un brouillard marseillais est en train de s'installer d'un seul coup, là, je ne sais pas ce qui vient de se passer. C'est l'atmosphère YL, ça. Je mets ma clim, pardon, vas-y. On a ramené le décor. Donc, à ma droite, on a mon frère Onabassa qui nous vient de Berthe. Et voilà, il est avec moi depuis le début. C'est la vaillance. On va en profiter pour faire une petite dédicace à tous les vaillants de la Seine-sur-Mer et tous les vaillants de la cité Berthe. Et voilà, Nabassa, une dernière actu là sur YouTube en ce moment. Nabassa, comment ça va? Ça va très bien. En pleine forme? Toujours. Un petit mot sur YL quand tu le vois comme ça là, tu me dis quoi? Je suis totalement fier. C'est vrai? C'est une suite logique. C'est une suite logique, c'est un travail acharné. Comme il... Toi, tu l'as vu, ouais, bosser comme un dingue? Ah, je l'ai vu travailler comme un chinois. Je sais même pas s'il sait ce que c'est dormir, tu vois. En studio le matin, le soir. Je n'arrive même plus, j'ose même plus l'appeler. Il est tout le temps en cabine. Mais et bon, donc toi, tu fais quoi alors? Je fais du rap moi aussi. On peut, t'as des actus annoncées où on peut te retrouver, on peut te suivre? Ouais, moi tu me suis sur YouTube, ma chaîne Nabassa officielle. J'espère représenter un peu dans... Merci bien. Durant la semaine. Là on est venu donner de la force. Merci aux frérots et encore pour dire un dernier mot, on est vraiment fiers. Et eh ben merci à toi Nabassa d'être avec nous. Et la maison mère, faut pas oublier le slogan. Merci bien, la maison mère est dans la maison. On continue. Et on continue avec un garçon habillé tout de rouge vêtu. Jix la calache. JLK. JLK. Bienvenue de Boboche. On est là en direct. Une grosse dédicace à mes frérots de l'Abreuvoir. Et tous les frérots qui étaient présents pour le clip. Le clip, on va le dire. Le clip. On va le dire, ouais. Oui, j'allais vous demander, il y a un clip qui arrive alors. Il se passe un truc. Ça arrive très très lourd. Sur quoi? Sur le projet de JLK? Non, en fait, mon label 50K. On est en train de faire une compile là, tu vois. Et on rassemble la crème de la crème. Hein.
Et donc YL est YL fait partie de la crème de la crème. Bah oui, bien sûr. Sélectionné. Bah, sûr. Donc c'est un feat qui arrive quand? On sait dans quelques semaines là. Hein. Incessamment sous. On va vous le faire en exclu de toute façon là. Ah, on l'aura tout à l'heure en live. Ouais, ah, bien magnifique. Sûr. Ah oui, en exclu. On est pas venu pour rien. On est bon, tout va bien, YL. Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, une belle semaine qui nous attend avec YL. Ah oui, obligé, lourd. Et juste à côté, t'as mon frérot. L'adjoint, monsieur l'adjoint. L'adjoint. Monsieur l'adjoint. Le fameux. L'adjoint derrière le fameux. Chaque note. Ah là 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 là. Derrière chaque note, c'est moi. Et lui, il m'a vu, j'avais la chnouna. Voilà, tu sais, tout à l'heure, je voulais pas vous couper parce que, tu sais, moi, il vient enregistrer au studio, ça fait 8 ans. Donc, moi, j'enregistre le 11-43 depuis leur début. Donc, en fait, moi, j'ai vu YL, je pourrais dire Yamine, évoluer tout au long de ces années. Et il s'avère qu'il était beaucoup plus petit que moi et d'un coup il est passé beaucoup plus grand. Ouais, en même temps, ouais. Déjà toi t'es pas trop. Ouais, ouais, plus, en plus, hein. Ça, en plus ça, il en fallait quand même pour me rattraper. Mais donc franchement, je suis vachement fier de lui. Moi, je me souviens YL, les freestyles Facebook. Je me souviens de tout ça, le commencement avec Bilka Prod. Ah là là. Qu'est-ce que c'est beau. D'ailleurs, un petit mot sur ça. Il y a pas longtemps, une autre confidence. Mon manager, il a regardé l'historique de nos publications. Et quand on a commencé, le jour où on a commencé, on s'est dit, tu sais quoi, vas-y, sortons Samsung, mets une instru. On était dans une voiture jetée à Herbel entre les quatre tours. On a fait un freestyle, on a fait 100 gemmes, on était les plus heureux du monde, je m'en rappelle. On était les plus heureux du monde, on a fait une centaine de likes. Et c'était le 23 février 2016. Ouais. Véridique. Donc la date est importante. Exactement. La date est très importante. 2 ans après, jour pour jour. Donc l'adjoint, pareil, toi aussi, comme Nabassa, il y a une fierté de le voir évoluer comme ça. C'est clair. Bah, d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller regarder l'un des premiers freestyles Facebook qu'il a fait, où dans la petite vidéo, je dis, vous allez voir les gars, ça va arriver, il va tout niquer celui-là. Ouais, ouais. Donc voilà. Et moi, ça y est, je me suis pas trompé. C'est en courant. Après, dis l'avenir. Voilà. Donc là, il a pris grave de la maturité. Là, il arrive à un niveau surpuissant. Et moi qui travaille avec lui en studio beaucoup, je peux voir vraiment que c'est devenu un gros artiste, quoi. Qui, là, il est prêt à déchaîner le rap, quoi. C'était les confidences de l'adjoint. Ouais. C'est bien, hein, confidences, c'est des belles confidences. Ça fait plaisir. J'ai une belle longue carrière qui commence. Ça me touche, mon frérot, on est ensemble. Ne bougez pas, dans un instant, on revient avec YL et ses invités sur Skyrock. On balancera juste après la pub le morceau Mon Barrio. La roulette qui tourne de nouveau depuis ce week-end. Inscrivez-vous pour faire tourner la roulette. Vous envoyez le mot roulette par SMS au 72020. Roulette par SMS au 72020. On fait tourner avant de retrouver la radio libre de Diffoul. Gagne tes places en exclu pour le 33e Festival des Arts Martiaux le 24 mars à l'Accor Hotel Arena à Paris. Envoie vite roulette au 72020 et écoute Skyrock à tout moment. Skyrock t'offre 4 places à chaque fois pour découvrir toutes les stars des arts martiaux et des sports de combat dans un spectacle de légende unique au monde. À suivre sur le festivaldesartsmartiaux.com. Nouveau, Weavers, le premier magazine sur les stars du web. Ce mois-ci, la vraie vie de Norman, son travail, ses potes, son enfance et surtout comment il est devenu la star de YouTube. Découvre tous les petits nouveaux à suivre sur les réseaux sociaux et deviens toi aussi un pro grâce à notre rubrique tuto. Tous les mois, humour, gaming, actu, interview. Weavers, le mag que tu vas liker. 3,95€ seulement en kiosque. Roméo Elvis. Je veux que tu glisses sur le sol. Je veux qu'on s'épuise sur le divan. Je veux que tu passes un disque de Queen. Je veux du soleil. Je veux aller voir entre les cuisses dans le silence. Je veux Roméo Elvis. Morale de luxe édition collector avec 11 nouveaux titres déjà disponibles. Oh, voilà une drôle de question. Écoute, vu ce que j'ai trouvé dans ton téléphone là, c'est vraiment plus possible. Pourquoi prendre des risques avec votre messagerie habituelle? Maintenant, il y a Scred. S-K-R-E-D. Toutes les techniques des services secrets réunies pour la première fois dans une application de messagerie. Enfin, le vrai anonymat. Pas besoin de numéro de téléphone ou d'email. Scred, gratuit sur iPhone et Android. Scred, au service de vos secrets. Ils sont comme nous. À quelques millions près. Régis Études, le nouveau docu-réalité, tous les mardis 22h40 sur MTV. En exclusivité sur Canal et Numéricable. Marvel Studios présente Black Panther, héros. Bientôt, il ne restera que les conquis et les conquérants légendes. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Roi, tu es un homme bon qui a bon cœur. Et il est difficile pour un homme bon d'être roi. Black Panther, par le studio qui a créé Avengers, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Concert. Skyrock.
triple récompense aux victoires de la musique et carton total pour la nouvelle tournée d'Orelsan dans toute la France. Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes, Rennes, Rouen, Clermont-Ferrand, Marseille, Nancy. Tout va bien. C'est complet, presque partout, y compris à l'Accor Hôtel Arena à Paris les 15 et 26 mars. Dernière place disponible pour les villes de Strasbourg, Angers et Lyon. Et bientôt, gagne les toutes dernières places de concert Orelsan sur Skyrock. 20h-21h tous les soirs, c'est Planet Rap sur Skyrock. Ciao piraterie, ciao gang, la piraterie, ciao de ciao. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte qu'il y a de la merde, regarde nous embrasse encore. Le jour de paix, je suis avec mon gang. On fume de l'herbe, je suis avec mon gang. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Avec Chinese, on t'en mettra une dans la tête. Le lendemain, je me bugatise, bugatisé dans le hôtel. Alors que partout c'est la crise, mets-toi dans le fion, ta récession. J'ai le flot, t'as le son, t'as les sessions. T'es en face sur le ring, t'as les lésions. King partout, toutes les régions. J'suis posé dans le coupé, y'a une choix en genou. Pas besoin de te faire un dessin. Bro, il m'a donné son boule, puis la cour de récréation. Entouré de mes goons, hardcore, j'entends une réaction. De mauvais garçons dans la foule. Swag de salo, coup de cash, allo, pute, allo. J't'envoie l'hélico dans le bendo, viens sous ces négros, Monte Carlo. Y'a Charclo, Charlot, nous c'est Charo. Y'a Charclo, Charlot, nous c'est Charo. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte qu'il y a de la merde, regarde nous on brasse encore. Le jour de paye, j'suis avec mon gang. On fume de l'herbe, j'suis avec mon gang. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte qu'il y a de la merde, regarde nous on brasse encore. Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Ce soir, c'est Planet Rap YL. Mon barrio YL maintenant sur Skyrock. Ah, moi je n'arrive pas à dormir. Je vais sortir pour faire du mal. Mais si tu perds ton temps, je suis un peu perturbé. Et pendant qu'il fait encore nuit, j'espère qu'elle soit encore là. J'ai le sommeil encore né. Je ramène déjà l'heure à la maison. J'ai pas besoin de ton disque, pas besoin qu'on te dise, tu vas revenir à la raison. J'ai pas besoin de la fertiliser, pas besoin de ton buzz pour lui enlever ses parésies. Ouais, j'ai mon plan se court dans la résine. Non, je risque pas de tromper ma musique. Ouais, ma chérie, si tu veux t'amuser, viens, j'ai les jaloux sur mes côtés. Je sais qu'ils m'attendent au tournant, je suis en 6.13, je veux pas manger. J'ai les jaloux sur mes côtés, je sais qu'ils m'attendent au tournant, je suis en 6.13, je veux pas manger. Mais je vais pas quitter mon barrio. Non, je vais pas quitter mon barrio. Oh.
j'étais, moi j'étais seul dans ma geôle. Ma gueule, je serai seul sur le trône. Sont les derniers à faire, toujours les premiers pour parler. Attendez sur les vues, ils ont négligé le talent. Heureusement mes vaillants ont toujours su ce que je valais. Je ramène déjà l'or à la maison. J'ai pas besoin de ton disque, pas besoin qu'on te dise, tu vas revenir à la raison. J'ai pas besoin de la fertiliser, pas besoin de ton buzz pour lui enlever ses parisiens. Ouais, j'ai mon plan secours dans la résine. Non, je risque pas de tromper ma musique. Ouais, ma chérie, si tu veux t'amuser, viens, j'ai les jaloux sur mes côtés, je sais qu'ils m'attendent au tournant. Je suis en 6.13, tant je veux pas m'enjouer. J'ai les jaloux sur mes côtés, je sais qu'ils m'attendent au tournant. Je suis en 6.13, tant je veux pas m'enjouer. Mais je vais pas quitter mon barrio. Non, je vais pas quitter mon barrio. Tellement compliqué, mon gars, ouais. J'ai pas d'amour en fait, j'ai mes 4 en tête, j'ai du papier pour ma famille. J'pensais à l'éviter, mais j'peux pas le quitter, barrio. Il m'a pris mon temps et mon temps, barrio. Il m'a appris à le faire, j'm'endors à de te le faire, barrio. J'suis avec toi tout le temps, même si j'peux tout vous perdre, barrio. Barrio. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec à l'instant mon barrio. C'est ce qu'on écoutait YL, notre invité tous les soirs de la semaine avec la sortie du projet. Ça y est, un projet, tu le disais, où t'as bossé nuit et jour, 24 sur 24, pas de dimanche, pas de vacances, rien. Pas de vacances, rien, pas de vacances pour les vrais gars. Ça, c'était quoi? Studio. Studio, quartier, parce que j'écris partout. Ouais, t'écris comment toi? Il te faut le son d'abord ou tu peux commencer à écrire déjà sans avoir besoin? J'écris jamais sans instru. Toujours instru? Ça m'arrive d'avoir des punchlines qui arrivent, tu vois, mais c'est des punchlines de sens. Vu que moi je suis très très porté sur le flow, j'écris jamais sans prod. Par contre, j'aime bien modifier les endroits là où j'écris. Là, dernièrement, j'écrivais beaucoup en studio. Je sais que prochainement, je vais me jeter, je sais pas moi, à la colline d'en face du quartier, juste pour avoir un peu d'auteur. Ouais. Pour avoir un autre environnement et voilà. C'est important, ouais, justement, l'environnement, ouais. C'est important, hein, parce que je suis inspiré parce que je vois, parce que j'entends, parce que je fantasme aussi, tu vois, il n'y a pas que... Oui, bien sûr. Tu vois, un album, il y a forcément aussi, ou alors tu peux partir d'une histoire vraie, et puis tu peux la développer, voilà. T'es inspiré, voilà. C'est inspiré de faits réels, comme le cinéma, frérot, clairement. Et du coup, ouais, moi, ça m'aide à me renouveler. Ça va m'aider à me renouveler, tu vois. Par exemple, sur cet album, t'as des souvenirs, là, principalement, ils ont été écrits en studio, où il y a des souvenirs que t'as, je sais pas, ça a commencé dans une bagnole, dans le quartier, ça a commencé. Il y a le dernier titre, Yamin. Yamin, ouais. Ouais, ben, je l'ai écrit tout en haut, au dernier étage de la plus haute tour d'Herbel. Au 18e étage de la tour 4, pour les connaisseurs. T'es installé comme ça, J'étais installé tranquille, au calme, je regardais, parce que de mon quartier, moi, j'arrive à voir Notre-Dame de la Garde, tellement on est. En hauteur? Ouais, tellement on est bien haut, tu vois. Et du coup, voilà, je l'ai écrit dans cet environnement-là et. Ça m'a aidé. Et ouais, ça t'a aidé. Il y a des moments, je suppose, aussi de doute sur cet album. Il y a des moments, des morceaux sur lesquels tu vas revenir plusieurs fois. Bien sûr. Ben là, en fait, moi, j'ai eu une tracklist très tôt. Mais vu que je suis pas. Je suis loin d'être orgueilleux, tu vois. J'ai une équipe qui est vraiment derrière moi et qui me dit les choses, ouais. Qui me dit les choses vraiment, tu vois. On ne passe pas la pommade, tu vois. Donc on n'a pas eu peur de sortir les morceaux de la tracklist, les re-rentrer, tout ça. Ouais, on a douté. Maintenant, on en est sûr. Bon, celle-ci, t'en es sûr, il y a 17 morceaux en tout. Voilà. Qui vous attendent vendredi. Exactement. GLK est venu aussi, il est là. GLK, vous allez nous faire d'ailleurs, on va avoir des exclus. On va avoir Favelas que tu vas nous faire en exclu. On va avoir Favelas. Qui sera présent vendredi. Le morceau qui s'appelle. Lequel cas, votre morceau à tous les deux? Ah, Massacre. C'est le Massacre. Le Massacre. C'est le Massacre. C'est le Massacre. En fait, on s'est vraiment fait plaisir sur ce titre. De moi et Geeks. Ouais, on n'a pas cherché à rendre ça consommable. On n'a pas cherché à, hein. Juste faire plaisir. Ouais, franchement. On a kické, hein. On était entre nous, bon délire, tu vois. Voilà. C'est une ambiance. Et ben, on y va, les gars. C'est parti. On commence par quoi? Par, Favelas? Ouais, on va commencer par Favelas. C'est allez, c'est parti en live maintenant, session live dans Planète Rap YL. Ok. Ouais. Dédicace à mes grands frères qui me regardent. À mon neveu Halim, tu m'entends? À toi aussi, maman. Regarde-moi. Regarde-moi devenir un homme. Ouais. Ok.
Confidence le 23 février dans les bacs. Est-ce que vous avez choisi le bon cheval? Telle est la question. On est du vrai rap. Merci bien. Lampierre dans la maison. Steven dans la maison. Loumim dans la maison. Ok. Ouais. Des amigos, pas de pilon, pas de contact, lâche-les. À ma naissance, 4 kilos. Sarrasin, machallah. J'prends du poids, j'prends des risques. Pendant qu'elle me colle, j'écris mes lignes. J'suis criminel, incriminé. J'suis Herbel Gang, j'suis Medellin. J'me mets des baffes, j't'en mets des bonnes. Ne m'aidez pas, j'repense à mes débuts. On paie des 4 pendant que c'est paie des balles. On fait des casses, CKV font des caves. Armo, il chante, j'ai qu'une adresse. Bah qu'il m'appelle, bah qu'il m'approche. Je vis de la teigne, je vis de la drogue. J'suis YL, j'suis Bill Gavrog. Mais j'suis HS, baisé. Solitaire, ma Kardèche, DZ. Il te juge au faciès, bussif. À deux doigts de me farcir un HS, baissé. Dans la sueur comme un homme, j'ramène la somme à la maison. J'ramène ma petite soeur à l'école, juste avant l'ouverture du réseau. Dans ma favela comme au Brésil, c'est la loi des métaux qui préside. C'est Pequeno dans la plaza, depuis Pequeno dans la ville. Maman m'a dit, tu ressembles à ton grand-père, où il dit, t'as les mêmes épaules, elles sont pas autant solides. On n'a pas commis les mêmes écarts, on n'a pas connu les mêmes séquelles. J'suis la fierté de Marseille, on finira par ex aequo. J'ramasse l'argent et les Mexicains. Quand tu fréquentais les grandes écoles, moi je fournissais les toxicos. Tu sais que ça m'excite, un sur terre, ouais, bête sur bête, hein. Tempe sur tempe, un sur un. T'es bien sûr qu'avec un meuf t'auras ton 20 sur 20. Comment tu nous parles toi? Bézette et le cartel. T'as des frères, t'as des sœurs, ils sont surdés. J'ai des frères dans la zone. On est en surnom, ça les dérangerait pas de salir ta pureté. Tiens le manche en mon clan, que des mères fans, que des mères boules, c'est certain. On va purger, on est les pires jeunes, pure shit, forte fiesta. Pas de fiesta, de la vodka dans le pur jus, putain. On se côtoie dans la galère, et on s'oublie dans la réussite. Y'a rien de glorieux mon frère. Pourtant on avait tous appris les mêmes sourates. Connu la galère avec les mêmes souliers. J'ai la tête sous l'eau, je suis peut-être saoulé. J'arrive pas à supporter ce putain de tête pourrave. Rebêcher la haine, pas celle de façon casselle. Celle qui m'a fait gilet et lâcher mes classeurs. Celle qui m'a fait faire mon dégradé à l'ancienne. Celle qui fait que le sarrasin plaît à ta sœur. Par ma sueur comme un homme, j'ramène la somme à la maison. J'ramène ma petite fille à l'école, juste avant l'ouverture du réseau. Dans ma favela comme au Brésil, c'est la loi des métaux qui préside. C'est Pequeno dans la plaza, depuis Pequeno dans la résine. Hein, Marseille dans la maison, Herbel Gang dans la maison. Y, elle est là, ça. Confidence le 23 février partout. Allez le chercher, allez le chercher. Ah. Ok, bandito. Ah, c'est le bandito. C'est comment mes frérots de Boboche? Wow, tous mes frérots du 9-3, c'est comment? Confidence le 23 février. Si t'as pas de nif, c'est ton problème. C'est mon projet, je ne vais pas faire de mi. Je gamberge autant, je ne veux pas faire de mal. Le temps c'est de l'argent, je ne vais pas le faire demain. Hein? Et raconte bien les galères. Tu le sais mon frère, ça n'arrive qu'à nous. Ils avaient la haine, le jour de ta mort. Ils viennent voir ta mère, ils sont pleins d'amour. Putain de merde, sortez des chôles. Dans le fond du bus, je remets mes lacets. Quand y avait pas un euro pour un croissant. Avant le buzz, on ne s'est jamais croisé. Ah ma chérie, je suis l'égérie de la street. Dans le bendo, je suis algérien. Je suis mal géré, pour le faire, je vais pas me gêner. Je gagne comme un Algérien. T'es sur le bas-côté, tu me fais des blagues hôtel. Retourne picoler, les rappeurs de Bacoty. Crois-moi, j'ai pas ton temps. L'arlar n'a plus le temps. L'arlar n'est pas content. L'arlar n'est pas petit. Ouais. Je suis un 3 en 9, 3 c'est drogue, délit, drogue. Trahis la ronda, tu péris dans le coffre. Mais voyons, des voyous sur Insta. Allez, va niquer, t'es mort, tu t'es mal, le thème, c'est là. Calibré dans la tête. Calibré dans la tête. Calibré dans la tête. J'tourne, tourne, 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 tourne. Validé par le checks. Calibré dans la tête. Calibré dans la tête. J'tourne, tourne, 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 tourne. Baisse les yeux. Quand j'arrive, toi, lui, c'est le même tarif. Je suis un Algérien, tu touches pas mon nid. Ou je prends 20 ans pour être de barbarie. T'as vu ce que t'as fait? Bah on a fait pire. Un kilo dans le coffre, tu transpires. T'es pas le sang, t'es un vampire. T'as fait raison d'avoir peur. Criminel, criminel, criminel. Bang, 9-3 criminel. Plus violent que la violence, t'as shafté une balance. Ton sang sur l'opinel, sorti de Bobigny. À fond dans les tunnels, m'appelle pas la famille. Dis-moi combien tu mets. J'pense à toi toute la nuit, obligé de fumer, obligé de fumer. Ah, bye bye bye. Allez, tiens, prends ça. Elle m'a dit, je veux planer, j'ai plongé sa tête dans qui t'a amené. On a les chines, t'étais pas né, Hamdoula, jamais été condamné. Jamais, jamais, jamais. Ma maman avait tout prédit, voilà qu'elle a raison. Quand ils ont déserté la maison, t'as le soir comploté pour reprendre le réseau. Je suis un 3 ou 9, 3 c'est drogue, délit, drogue.
Ferrari, la Honda, tu péris dans le coffre. Mes voyons, des voyous sur Insta. Allez, va niquer, t'es mort, tu t'es mal, t'es max, c'est ratatata. Calibré dans la tête. Calibré dans la tête. Calibré dans la tête. J'tourne, tourne, 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 tourne. Validé par le jet. C'est game over, ma gueule. Validé par le jet. Game over. Ouais, j'suis pas là. 50K. On a quand même, mon gars. 50K. Son mère, 50K. 50K. Elle a coupé la live, ma gueule. Game over. J'aime le 9-3 dans la maison. Merci bien, ma gueule. La Breu, on est ensemble. Ouais, mais belle gang, regardez-moi. Regardez-moi. Ok. La petite exclue pour les banditos, ça. Merci bien. Ok. Ouais, vive, je l'attends, c'est comment? C'est le jeu. Ouais. J'fais pas du rap conscient, j'fais du rap d'inconscient. Sur la 3-200 avec Goli dans la cage. J'étais au premier tournant, t'as tourné à terre, non, voilà, t'es un terme, on va que de la charge. La vie taille la neuse comme Vivich. La porte du succès, j'casse au pied de biche. Qui va m'empêcher, hein? Qui? Au gars, c'est elle qui BDH qui te lâche pour un guide de parking. Barrage de carte grise, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu préfères, hein? S'ouvrir l'atmosphère, hein? Aucun arrangement pour te satisfaire. T'es venu pour un dégoût, tu rentres en Uber. Oh que c'est triste, bah ouais. Quand t'es une boîte sous le cas, ouais. Bout de champ, bout de bras scotché. Buenas noches. En tournée d'aura normal, c'est la rue. Ouais. La vraie pas de scénario. Jamais. J'ai rêvé que je faisais un cauchemar. Putain de merde. J'ouvre les yeux et je suis sur un yacht. MRC, hein. Embrasse ta mère au lieu de bouffer des chats. MRC, hein. Que Dieu me préserve, faire le commis sur Snapchat. On transforme la gueule droit en monnaie. On transforme la gueule droit en monnaie. C'est le jet. On transforme la queue trop en monnaie. On transforme la queue trop en monnaie. J'ai elle calache. J'ai deux trois lourds et je me tire ailleurs. Midi minuit on a travaillé. Pour nous faire qu'ils sont pile à l'heure. Traficante de la cahier. On transforme la queue trop en monnaie. Sous les yeux des condés, on transforme en monnaie. Vulgaire. Merci bien, sale, 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 sale. Le 23 février, mon gars. Ça, 23 février. YL allait le chercher. Ouais, ok, ok. Confidence le 23 février. Eh, on est coté à combien? C'est qui le con qui fixe les cotes? C'est qui? Tu vas gagner ou pas? Rien ne va plus. Eh. Ma maman m'a prévenu que je vais m'égarer. Je l'aime, elle me tue comme ma cigarette. Si dans le parking le gamo s'est garé, ou la Clio 2 pour moi c'est pareil. Je t'avoue que l'élite nous a séparés. Ils veulent nous faire croire qu'on n'est pas pareil. Pour moi ma gueule on est tous pareils. Ce qui fait l'homme c'est bien sa parole. Celles qui font les hommes c'est nos darons. Pour elles on peut tous vous démarrer. Tous ceux qui se croyaient préparés. Rafale dans le ciel ils vont détaler. Je me réveille à 16h ma lunée. Rendez-vous pour le taf annulé. Il me faut l'assassin de Maluma. Double pilon je vais m'allumer. Écoute-moi mon petit Manama. Tu dis jamais lui c'est mon ami. Moins de loyauté qu'un animal. Ils feront chavirer ton avis. C'est juste mon avis. Dans la merde on navigue. T'as vu tout le mal qu'on a fait. T'as vu l'endroit où on habite. Les haines ne sont partout, partout. Passent leur vie à pister la tienne. Ils parlent trop rap. Ils peuvent te jalouser pour ton talent, ta gentillesse. Ou la go que tu pèses. Ou le froid que tu pèses. Ou le fait que tu buzzes. Ils sont pas prêts pour la frappe. Ils sont pas prêts pour la frappe. Le 23 février, les cités de France, mes vaillants vont braquer la flamme. Ils sont pas prêts pour la frappe. Non, ils sont pas prêts pour la frappe. Le 23 février, les cités de France, mes vaillants vont braquer la flamme. Merde. Ouais. Le 23 février, poto. La maison mère, le 23 février dans les pères. Merci bien. Allez acheter votre morceau de goudron, les frères. Ouais, Chadley, encore. À l'instant, en live, il y avait YL, il y avait GLK, il y avait YL et GLK ensemble sur un projet, ouais. Voilà, sur la compile, hein, on le répète, Game Over, ça arrive. Ça arrive. Mois d'avril, ça arrive lourd. Et puis d'ici là, le 23 février, c'est la sortie de Confidence. La sortie des Confidences, frérot. Les Confidences vont être livrées. Toute la semaine, des Confidences dans l'émission, on doit pas naître à entre 20h et 21h. Toute la semaine, toutes les soirs de la semaine. Il y aura des Confidences entre toi et moi, entre nous et le public. Et bah tiens, on va prendre quelques coups de fil aussi dans un instant. 06 48 96 3 fois. Des gens qui veulent te joindre, s'ils veulent te poser des questions, te donner de la force. Super. C'est le moment où jamais. 06 48 96 3 fois. Le temps d'écouter peut-être un morceau. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis encore comme titre ou qu'on peut remettre comme morceau? Vainova, on met un petit coup de Vainova. Allez, hein. Il est bon celui-ci. Il est bon celui-ci. Moi, je le kiffe celui-là. Avec Soul King aussi, pareil, qui commence sûr, à bien faire parler force, de lui. Grosse force à lui, mon refrain Soul King. Ouais, le frérot de Villeneuve, la Garenne. On est ensemble. Allez, c'est parti. Le frérot du 9-2. On sait pas, on sait plus. Je sais pas. Il était pas là, lui. Attends.
je te raconte quoi sur ça. Baba, je traîne, seul, je perds. Rien ne va plus, j'ai le croupier dans le viseur. Est-ce que je récupère? C'est qu'un tiers R. Je suis pas trop streamé dans le bloc pendant 10 heures. Et où sont mes potes? Le bon temps me manque. Je vais péter un plomb, j'ai la street sur l'épaule et ma petite sur les côtes. Je suis fidèle mais bon, je peux pas quitter mes tours, quitter mes tours. L'odeur du cash, dans la tour le diable m'a laissé le 22. Je suis perdu, baba, je t'avoue, j'ai un vie, ma place c'est la fin de tout. Y'a rien, baba, des chiens qui restent m'abattre. Qu'ils viennent par là, Y, elle va faire un carnage. Moi tout ce que je veux c'est m'en sortir, baba, ils veulent pas. Ils pourront jamais me détruire, bonhomme comme Baba. Moi je n'ai pas de grand dans la street, je n'ai que toi, Baba. Nergaz m'a dit, je suis calme, Baba, Baino. Et je tourne, tourne dans ma ville, je la fais tourner, tourner comme au boulot. Je suis dans tous les coups, je suis là tous les jours, et à tous les coups, c'est moi qui bouge. Je tourne, tourne dans ma ville, je la fais tourner, tourner comme au boulot. Et j'ai tourné, tourné dans ma ville. La misère et les keufs ne me rend pas, dans la tête qui ne veut pas pas. Et d'où je viens, je n'oublierai pas tous les femmes que j'avais au départ. Je vais mourir pour mes principes, je suis un big gars. La street, je la connais bien, je suis un sans faf. Ce que j'ai enduré, je ne le dirai pas. Je suis un grand garçon, maintenant papa, je pleure pas. J'ai pleuré mes ennemis et toutes ces poutas. Et sur la flèche Rivera, j'fais la fraîche comme tous les. Moi tout ce que je veux c'est m'en sortir, baba, eux ils veulent pas. Ils pourront jamais me détruire, bonhomme comme baba. Moi je n'ai pas de grand dans la street, je n'ai que toi, baba. L'ergaz l'a dit, je suis capé, baba, innova. Et je tourne, tourne dans ma ville, je la fais tourner, tourner comme au pilon. Je suis dans tous les coups, je suis là tous les jours, et à tous les coups, c'est moi qui bouge. J'ai tourné, tourné dans ma ville, je la fais tourner, tourner comme au pilon. Et j'ai tourné, tourné dans ma ville. Skyrock, c'est le Planète Rap entre 20h et 21h avec notre invité tous les soirs de la semaine. Il s'appelle YL. Venez découvrir le projet d'YL qui sort vendredi 23 février. À pas louper la sortie du projet d'YL en précommande dès maintenant. Commencez à cliquer. Alors pour tous ceux qui veulent aller aussi dans les magasins, ce sera à partir de vendredi. On finira peut-être avec un live dans un instant. Un petit live. On a faim. On est venu pour rapper, frérot. Mais juste avant, on va prendre quelques coups de fil. Les gens qui t'appellent au 06 48 96 3 fois pour donner de la force, pour poser des questions à YL. N'hésitez pas, 06 48 96 3 fois. Allô, c'est qui? Allô? Allô, une fois, deux fois, trois fois. C'est pas grave, on continue. 06 48 96 3 fois. Allô? Allô? Ça marche pas? Allô? Ah, ouais, bah voilà, ça y est, c'est qui? C'est Marouane. Hein. Et t'appelles d'où, Marouane? J'appelle de Saint-Denis. De Saint-Denis? Si, si, on est ensemble, tous mes frérots de Saint-Denis. Tu connais? On est ensemble, hein, YL, hein, force à toi. On est ensemble, frère. Il y a GLK aussi du 9-3 qui est là, mon gars. Alors là, allô? Qu'est-ce que tu veux dire, Marouane? Ah, moi je veux le féliciter là pour qu'est-ce qu'il fait pour l'instant. Merci frérot, ça fait plaisir. Pour la suite, voilà. Merci frérot, ça fait plaisir, on est ensemble. Eh, YL, faut que t'arrêtes de sortir des sons comme Fruit de mon époque, hein. Trop violent. C'est trop violent. Voilà. Allez, je vais baisser niveau que pour toi, frérot. Voilà, juste bien pour Marouane, juste pour Marouane de Saint-Denis. Ça donne envie, frérot, de prendre la pushka tout cassé, frère. Ah non, tranquille. Voilà. Écoute, les punchlines, elles sont bien aussi. Ouais, c'est lourd, mais bien propre, hein. Si, merci frérot, merci de l'amour, de la force que tu as. Marouane, tu as bien retenu quand sort le projet? Comment? Tu as bien retenu quand sort le projet? Non, j'ai juste passé sur Skyrock. Tu vois, c'est important de le répéter. Ah, c'est le 23 février, c'est vendredi, mon frérot. Ce vendredi-là, frérot. On sera là pour soutenir, hein. On va tirer sur le rap français avec ta force, Marouane. Inch'Allah, ma gueule. On est ensemble, frérot. Merci à toi, Marouane. Passe une bonne soirée. À toi aussi, hein. Allez, ciao, on va prendre un autre appel. 06 48 96 3 fois. Allô, c'est qui? Allô, je m'entends, tu t'entends, on s'entend. Allô? Ouais, je t'entends, ça va? Coupe un petit peu la radio, tu pourras mettre très fort après, mais la coupe un peu. Voilà. Ça va, tu vas bien? Ouais, frérot, ça va et toi? Ouais, frérot, moi je fais un salam avec YL, wesh, ça va ou quoi? Salam, frérot, ça va ou toi?
Ouah, le sang, on est là, mec de Palam, on représente. Aïe, mec de Marseille, aïe, on est ensemble, le sang, ouais. On est ensemble, hey, le sang. Voilà, moi, je travaille pour le Parisien. T'as vu? Ouais. Pour le Parisien, et voilà, j'écoutais ton son tout à l'heure, il m'a donné de la force, tu vois, je suis commercial. Chez le Parisien, j'ai fait 4 contrats aujourd'hui, Al Shaitan, et là, je l'achète pas en prochaine. Et les contrats, des bons contrats, tout va bien? Ah, des bons contrats, du solide et du dur, comme je les aime. Ah bah, aïe, comme le son du Grec Alfredo. Moi, moi, juste un truc à dire. Restez des vrais comme vous êtes, et je représente une petite dédicace, à une grosse dédicace, quelle une petite? Grosse dédicace à YL. Merci, frérot. Aux mecs de Sartrouville, aux mecs d'Argenteuil. Merci, frérot, on est ensemble. Les mecs de tout Panam. On est ensemble, tout Panam, on est ensemble, tout Marseille. Stalingrad, Panam, YL. Je te fais un gros bisou, YL. Bisous à toi, mon frérot. Et, j'espère que demain, 4 contrats, voire 5, hein, demain. Hein. Demain, fais attention, je vais t'abonner. Fais pas le malade. Abonné au Parisien. Abonné, tu vas en plus, YL parfait qui suit très bien l'actualité du PSG, qui adore ça. Ouais, je kiffe Neymar. Je kiffe Neymar, les gars. N'hésite pas. N'hésite pas. Bienvenue à Marseille. On te filera les. Je suis là à la Provence dans pas longtemps. On va voir la Provence. Si, si. Allez, fais le tour, il fait le tour. De partout. Calme, la Provence, le Parisien, il signe pour tout. Il signe les contrats pour tout le monde. Merci à toi, mon pote. Passe une bonne soirée sur Skyrock. Allez, on finit avec un live et on fait tourner la roulette. On retrouve Default juste après la roulette pour la faire tourner. Vous envoyez le mot roulette par SMS au 720. Dernier live pour finir, YL. Bien sûr, frérot. Allez, on repart sur quoi, Roger? Freestyle, ok. Ok, ok. Hey, petit Anis, je t'ai pas oublié. Ma grande sœur, tu me regardes? Tout le monde avec moi. Contre-moi, je sais que t'as la haine, mais tu n'en parles pas. Car Dieu m'a donné la force de te mettre des asbas. J'arrive à tenir la distance même quand je suis rapta. Qu'elle fait la marque, mais elle finira toujours à quatre pattes. Je fais de fer et de flow, toi t'es fait de faute et de flûte. Haga mes frères en le flouze, je vois pas pourquoi je m'en fais. Et Haga les fait comme des fiottes, j'ai mis mon fer dans le fut. Et Haga les fait comme des fiottes, Haga Rabbi je me l'ai fait. Hey. Petite pute, tu me mets les nerfs, je me la frappe, t'as le vénéneux. Allongé, je compte le bénénef, autour d'un paquet de bénéneuses. Tu vois sur ma tête que j'ai galéré, du coup je coffre mon salaire. Hein. La proie qui me traite de sale arabe, et moi je l'ai insulté sa mère. Hein. Les mythos, les rats qui sont par terre, le micro, le parquet, le tarpé. Pour mes négros, mes harpies, mes harpées. Facile de fermer ton clapet, moteur allemand sous le capot. Ton enterrement sera sur le parking. Un poli le recette de partout. La police se reçoit tes parents. Contre moi, je sais que t'as la haine, mais tu n'en parles pas. Car Dieu m'a donné la force de te mettre des asbas. J'arrive à tenir la distance même quand je suis rapta. Qu'elle fait la mac, mais elle finira toujours à quatre pattes. Je fais de fer et de flow, toi t'es fait de faute et de flûte. Haga mes frères en le flouze, je vois pas pourquoi je m'en fais. Et Haga les fait comme des fiottes, j'ai mis mon fer dans le fut. Comme des fiottes, Haka Rabbi, j'me l'ai fait. Hein 23, confidence, on va tirer sur le allez français. Allez chercher ce vendredi dans les bacs, Marcel, dans les blocs. Merci bien. Big up prod, la maison mère. Merci bien. Go-tube, petit loup, c'est comment? Merci bien, grosse dédicace à Pedro, Loumim, Reda, tous mes frérots, on est ensemble. Power Bell Gang, vous êtes trop nombreux. Je poche la peau sous ma gueule. Merci à toi YL, merci à ceux qui sont passés. On va saluer Nabassa qui était là avec nous, qui repassera dans la semaine je suppose aussi. Merci bien, bien sûr. Tous les jours, parfait. Merci à YL. Merci à Geeks. Et un gros big up. Un gros big up à tous les frérots de la Breu. À tous les frérots pour votre accueil. Ça merci, fait plaisir, on est ensemble. On va avec ton projet. Donc, projet, c'est une compile qui arrive. Ouais, après, un projet solo aussi. Et ton projet solo, ouais, 2018. Il est bientôt fini, là. Donc, allez suivre YL, pareil, il va marquer ouais, 2018. Merci, bien. Merci à l'adjoint qui est passé, qui repassera peut-être dans la semaine aussi. Merci, je suis qui là, sait. La semaine aussi. Et merci, n'oubliez pas, YL dans les bacs, confidence. Ça approche, c'est vendredi. En précommande dès maintenant. Et juste avant de trouver Default, la radio libre, on fait tourner la roulette, c'est parti. Gagne en exclu tes places de ciné pour voir Black Panther, plus le festival des arts martiaux à l'Accor Hotel Arena à Paris. Avec Andrea de Dijon. Salut Andrea. Salut, salut. Ça va en pleine forme, tu fais quoi dans la vie Andrea? Je suis rugbyman au stade Dijonais. Bon, en pleine forme un peu moins parce que je suis en patron ce soir, mais ça va. Un sportif voilà. Du stade Dijonais, rugbyman. Ah, si, si. Comment il se porte le stade Dijonais au rugby, Andrea? Plutôt bien? Ouais, ça va, on est mal parti, mais là on est milieu de tableau, on remonte tranquillement. Là. Ça remonte tranquillement, parfait. Donc peut-être d'ici la fin de saison, numéro 1 ou 2. Ça va bien. Ouais, ouais. Eh ben, on croise les doigts, Andrea, pour toi et le stade Dijonais. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, la roulette est lancée.
et t'as gagné une guitare marseillaise. Ce qui nous arrive maintenant détermine ce qui arrivera. Alors pour la guitare marseillaise, tu t'adresses à YL. Moi, je te file des places pour aller au ciné voir le film événement Black Panther qui vient de sortir, qui fait un carton, le Marvel, nouveau Marvel. Et en plus, des places pour aller au Festival des Arts Martiaux. C'est au mois de mars à l'Arena de Paris-Bercy. On te file tout ça pour passer une belle soirée. Et des belles soirées d'ailleurs, parce qu'il y a 4 places au ciné. Et 2 places pour les Festivals des Arts Martiaux. Merci à toi, mon pote. Ok, merci. C'est possible de passer une dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute, bien sûr. Bah, juste un gros big up au Stade Dijonais, à tous les gars de l'équipe, à la famille, et puis à ma chérie qui est à côté de moi. Ah bah, ça roule. Et bah, tu salues madame derrière, et bon courage au Stade Dijonais, alors. Merci. Salut. Merci, Yael, demain. Merci à toi, Fred, de retour entre 20h et 21h, à pas louper. Ah, on va pas louper ça. Avec d'autres surprises, d'autres confidences. D'autres confidences. Puisque le projet s'appelle Confidence et il sort vendredi. Passe une bonne soirée et on va retrouver D-Fool. Maintenant, c'est l'heure de la radio. Ouais. Salut, Yael, salut, Fredo, salut tout le monde. Hello, hello, comment ça va? Et toi, en pleine forme? Ça va, content de vous retrouver en ce lundi soir. Ouais. Ben ouais, on est bien. Exactement, on est bien. Une grande soirée qui s'annonce, une grosse semaine aussi dans Planète Rap. Demain, Yael, à pas louper, 20h, 21h. Exact. Ouais. C'est le rendez-vous. Les Marseillais sont là. Ça vient du sud, ça fait du bien. Et oui. Merci les Marseillais. Sous vos applaudissements. Et j'entends ça. C'est bien d'être applaudi à la fin de son Planète Rap. YL, ne loupez pas, 20h, 21h. Radio Libre, vous pouvez y aller dès maintenant. Vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20. Si vous avez besoin de nous, si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous, c'est ouvert. Et toi aussi, Fredo, tu peux appeler. Complètement libre. Fred aussi. Mais c'est un problème. J'appelle régulièrement d'ailleurs. Ouais. Tout le monde peut débarquer. Mais je suis boycott. Oui, bien sûr. Je suis boycott par Cédric, je crois. Non, même pas. T'es le bienvenu. Fredo. Il a peur des révélations que je peux faire sur lui. Ah bah non, on les attend avec impatience. Ah ouais, on veut savoir. Je pense que vous les connaissez. Pas toutes. On est toujours surpris, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Jamais au bout des surprises. Radio Libre, restez bien là. La Radio Libre arrive tout de suite, dans 2 minutes, on est là. Allez, c'est parti. 01 53 40 30 20 si vous voulez passer dans l'émission. Et Planète Rap, le retour demain. À demain. Écoute, c'était ce matin sur Skyrock. C'est elle qui a gagné les 20 000 euros cash. Bravo Sabrina, c'est bien. Hein. Et ouais. Tu sais qu'on reçoit plein de coups de fil pour toi. Ah ouais? Bah oui. Je vais te passer Ludo là tout de suite. Bonjour Ludo. Ah.